Action. Bah vas-y, énerve-toi, Wizbot, là. Uptime, là, ça y est, là. Par contre, depuis que j'ai cliqué contenu adulte, je me sens un peu plus tranquille, tu sais, quand je parle ou quoi, que j'ai des gros mots qui m'échappent. Tu peux te Ouais, c'est... lâcher, ouais. Ouais. Putain, je peux plus. Allô, quelqu'un m'entend? Ouais. Ouais, gros. Ah ouais, trop T'entends? grave. Ah, ça existe pas le low batterie avec le Xbox. C'est le mode j'ai plus de piles mais je rallume encore, je gratte un peu. Ah ouais, elle est morte, hein. Cherche pas. Hein. Ça consomme trop grave. Mais vous avez déjà écouté votre manette? Ou je sais pas, peut-être qu'il y a que la manette d'élite qui fait ça? Moi, clairement, on dirait j'ai comme Écoutez. un petit ventilo qui tourne dedans ou quoi. Je vais m'écouter, je vais faire Ah ouais. attention la prochaine fois. Moi je l'écoute là vraiment, il y en a un petit. Tu vois, genre il y a un petit truc qui tourne à l'intérieur. Comme un petit ventilo ou je sais pas quoi d'autre. Non, ça le fait pas, moi. Ouais, refrançois. Ouais. Ah bah peut-être que c'est que la élite. Hein. Ou peut-être que je mets des piles trop puissantes. Ou peut-être que j'ai un bug, j'en sais rien. Ah, moi je lui mets des Sony en 2500 mAh, gros, laisse tomber. Je tape des 24 heures entières avec la manette. Là j'ai changé de paire là, Avec c'est le bon, j'ai mis micro. une paire à charger. Ouais, avec le micro, ouais. Je le débranche jamais le micro. Si moi ça m'arrive de le débrancher quand même. Même s'il est pas fait pour, parce qu'il a rien pour. Hein. Bah en fait, c'est aussi simple que ça, gros. Tu le débranches, tu le rebranches, tu le débranches, tu le rebranches. Bah ce qui va se passer, c'est. Un jour, bah, tu vas le brancher, puis il n'y aura pas de contact. Ouais, exactement. Bah c'est comme ça que tu les niques, hein, parce qu'ils ont pas mis un truc Ouais, mais attends, il y a pire encore. pour le C'est, débrancher. tu niques le point d'ancrage qui est à l'intérieur de la manette. Bah alors là, mon vieux, accroche-toi. Bah ouais. T'atteins. Mais c'est ça, c'est quand t'es débranchant. C'est ça. Ça, c'est violent, simple. quoi. C'est ou tu rechanges le truc toi-même, ou bah cherche pas. Va racheter une autre manette, ça va mieux. Et t'as la doc aussi. De quoi? Quoi, j'ai rien dit. De quoi? Je sais pas, Ah bah je t'assure. Deux fois parler, pendant qu'on parlait, t'as bien Eh dit quelque Mike. chose. Mike, Mais je non, t'assure c'est quand que. j'ai dit. Ouais. Tu pourras faire J'ai des dit bonnes sessions avec nous. J'ai dit t'es Milou. J'ai dit Tintin, Ah bah moi? j'imagine bien, ouais. Non, lui. Ah, d'accord. Après là, ça me fait chier de laisser la base comme elle est, tu vois, et Mais faut rejoindre, tu d'abandonner. vois. C'est ça aussi le truc, frère. Faut rejoindre. Déco. Moi, je marche pas avec des petites putes, hein, je te le dis. Hein. Les mecs Déco, là avec c'est qui qui? je C'est marche, toi, je les connais François? depuis 7 Ouais. ans, 8 ans. Ok. C'est depuis le live, depuis le début. Ouais, je vous dis quoi. Ouais. Il y Ah, mais c'est avait pas le problème, gros. C'est juste que j'ai envie d'avancer ma tout base, tu vois. Ça me fait chier de l'abandonner en cours de. En à l'heure. cours de Ah, bah, route. ok. Je donne un exemple, Yoda ou Lacrim, tout ça. Je me suis déjà embrouillé Ciao. avec chaud. Ah ok, Ouais. vas-y, ciao, hein. Repose-toi bien. Bah vous aussi, ciao. Bye. Ciao. Je
Je me suis déjà embrouillé en mode show, on s'insulte et tout, frère. Jamais mon niqué, jamais rien. Même pas un point de team de Warface, hein. Rien, zéro, nada. À l'heure où il y avait tout le monde qui me tournait le dos et tout. Mais par contre, faut voir comment c'est ce camp, hein. T'as vu tout à l'heure, Hajj? Putain, je vois, oh, ça va, vas-y, tu me casses les couilles là, machin, tu sais, c'est bon, ta base elle brille là, si tu me prends la tête et tout, t'sais. Tu vois? Mais il faut que tu comprennes, ça c'est rien entre nous, ça c'est genre je t'aime bien. Tu comprends ça? C'est-à-dire quand on s'embrouille, c'est mille fois plus violent. Mais jamais on s'est niqué. Jamais. Vaut mieux être franc, hein. Franchement. Tu vois ce que je veux dire? T'sais, un franc dans le jeu, on se le nique pas, tu sais. Voilà, tu vois, je sais pas, tu vois. Même, tu vois, Mike, tu vois le passé qu'on a, la façon qu'on a grandi et tout, c'est des mecs pareils. C'est pas juste des mecs qui écoutaient l'IM, tu comprends? C'est... Ça va au-delà. Ah bah ouais. Non, ce que je dis pas, après, le François, il a une bonne culture hip-hop, franco-hip-hop, tu vois. C'est bien, c'est cool. C'est pas toi un thug non plus. Hein. Ah, je te dis, tu vois, tu te souviens, il y a pas assez longtemps que ça, je te disais, tu vas voir, ils vont te décevoir. J'aurais rien besoin de faire, j'aurais rien besoin de dire, ils vont te décevoir de même. Ouais, avec des coups comme ça, ça commence. Ouais. Mais souviens-toi, même qu'est-ce que je te dis. Je te dis, tu verras, ils vont se mettre en mode les deux Alsaciens contre toi, le mec du sud. Un jour ou l'autre. Oh, regarde, gars, ils sont mis entre eux, contre eux, les Alsaciens entre eux. C'est bon, nique sa mère, et même pas de respect. Hein. Même pas le respect de la région. Ah, mais là maintenant, ouais, c'est carrément hardcore qui commence à. Pour aller aider un Canadien. Mais presque quoi de l'autre. Avant j'irai quand t'es canadien. Je savais même pas moi. J'ai dit ouais, qu'est-ce que tu fais et tout, tu rejoins pas? Il me dit ouais, pour aller jouer avec les deux bolos, il me dit. Clairement. Ouais, c'est bon, tu vois. Il y a tout sucré pour jouer avec un gamin de 16 ans, la ronde. Ah oui, mais laisse tomber, toi. C'est presque du détournement de moi, mineur. Moi, je me suis même pas embrouillé, gros, mais rien que le fait qu'il soit parti comme ça sans rien dire et il s'est mis en mode privé avec l'autre. Je préfère jouer tout seul que d'aller le rejoindre dans un groupe. Bah oui. Mais rejoins-nous, nous, au lieu de rester seul, c'est encore mieux. Bah. Ok, mieux vaut être seul que mal accompagné. Mais mieux vaut être bien accompagné que seul. Ça c'est vrai aussi. Ouais, mais gros, je suis mort de. Je suis avec ma longue vue de ma fenêtre, je regarde le voisin en train de chercher de partout comment il a pu faire pour se faire niquer ces trucs. Il marque des messages de fou dans le chat. Regarde. Il devient dingue. Viens il dans dit mon que c'est serveur. Un glitch, c'est pas possible. T'as... comment attends. Il a pu faire et tout. Ah, deux secondes. T'as quoi comme level là? Il a laissé tout. Il est level 50. Là, t'es level 50 dans ton serveur? Ouais, mais gros, j'ai rien. Hein. Comme je suis tout seul, j'ai même pas de T-Rex. J'ai un Raptor, deux Carnot, quatre Scorpions. Mais un Pteranodon. Je me développe petit à petit. Toi. Là, je viens de faire ma palissade parce que j'avais même pas de palissade autour de la maison. Les premiers. J'avais plein de dinosaures au début. Un matin, j'arrive, gros, je vois marqué quoi dans le chat, dans le truc de tribu. Un Raptor niveau 100 et quelques. À manger tout, presque tous vos dinosaures. Ouais. Non, là, c'est, ça y est, c'est, là, c'est le drame. Commencer à faire toute une clôture en pic en bois avec des portes dino. Et là, j'ai mis des plantes X sur des piliers, tu vois, pour protéger un peu. Et ouais. Petit à petit, ouais, je me développe, tu vois. Ouais. Une grande maison toute en pierre. Je l'ai pas faite en fer encore. Il y a un bloc de fer, par contre, dans les coffres. Ah, ouais, en fait, je t'explique, nous on a la forge industrielle, gros. C'est, enfin, le fer, en fait. Eh oui, c'est vrai. On coule 2000 de fer en 15 minutes, en fait. Ah, tu m'étonnes. Là, je le vois, la putain. En fait, mon singe, je lui ai mis un masque T-rex en fer. Équipé, ah, je l'ai pas encore crafté.
Même mon singe, ah ouais, mon petit singe que j'ai à l'épaule. Regarde, on a une armée de macaques, on sait même pas à qui les donner. Si tu veux un macaque, t'arrives là, t'as un macaque. D'office, t'as un macaque pour toi. Il y a des pteras, ils sont limite dangereux parce qu'ils vont trop vite, des avions de chasse. Tu vois. Du coup, tu peux freeze à tout moment avec eux, tellement qu'ils speed. Tu vois, tu sprintes même pas, t'as l'impression que t'es en sprint en fait. Là, je les vois d'ici. Il y en a, il est niveau 159, l'autre est niveau 152. Et il y en a un autre, il est niveau 128. On l'a cambriolé hier. Il s'occupait pas de lui. C'est dommage pour eux, franchement. Oh, l'autre il est deg, gros. J'ai cambriolé une armoire remplie de d'engrais. Il devait être fou. Il les charge de partout. En plus, c'est... j'ai allumé tous ces... Comment ça s'appelle, son truc industriel et tout. Il a perdu tout le carburant qu'il a mis de côté. Et c'est rien, Mike. Mike, c'est un mec qui nous fait ça, je m'en bats les couilles. J'ai 650 litres de gasoil de côté que je m'en sers même pas. Je sais même pas quoi faire avec. Il y a tous les autres trucs, il y a plusieurs centaines de litres dans chaque. Tu comprends? Le fabricateur, ouais, le truc. Toi, t'es équipé parce que lui, ouais, il est équipé en dinosaure, mais visiblement, ça lui a fait mal que je lui laisse tout allumé et je me bats. Ouais, mais nous, c'est comme l'Arabie Saoudite. Il y a tous ses frigos et compagnie. Nous, on échange de la merde contre du pétrole, mon frère. C'est au calme. Je donne de la merde à bouffer un scarabée, il me sort du pétrole, mon frère. Pourquoi je m'emmerde? Pourquoi je vais aller dans le nord ou quoi, farmer, risquer ma life? Juste pour du pétrole. Et je l'ai dans mon garage, le pétrole. J'ai même plus de pétrole dans mon garage. Par contre, bon, il a une collection de T-Rex et ils sont ouais mignons. Ouais, mais viens voir les T-Rex. Ouais. Mais level combien? Vas-y, retourne les voir. Dis-moi, c'est sur level combien? Level 104, level 68, 52, 48. Okay. Ah ouais, le 48, dernier. Tu vois pas, il boite ou quoi? Il a pas mal à une patte ou quoi? Ça va? 47. Non, ils sont tous équipés avec une belle combinaison. Mais viens, viens, s'il te plaît, juste connecte-toi de 590. Juste connecte-toi, on fait un tour ensemble. Comme des gamines, on fait du lèche vitrine. Viens, viens, s'il te plaît, juste. Juste connecte. Mais je suis venu il y a pas longtemps, il y avait personne sur ta partie, gros. J'ai fait un tour de ta base et je suis reparti comme j'étais venu. Non mais là c'est Furax, mec. Ça respire dans le micro, les gars. Et re Yoda. C'est mon frère. Re. Mais dommage, putain, bah tiens, ah, ils sont mignons, mais bon, c'est vrai qu'ils sont pas à gros level, tu vois. Mais... Ah non, gros, nous on en a que 3, mais c'est 3 furies. Ouais, il y a un mâle, 2 femelles, gros. Les femelles font plus peur que le mâle en fait, parce que le mâle on laisse à la maison pour qu'il baisse, quoi. On laisse toujours un couple à la maison pour que ça fuck, tu vois. Ah, les œufs. Ouais, les œufs, frère, tu t'aimes le quetzal avec ça. Après, c'est bien quand tu connais tout, si je peux appeler ça l'arbre généalogique, quoi, entre guillemets, toutes les branches, quoi. C'est bien, après tu sais, ouais, tu sais quelle bête t'aimes quoi. Je sais pas, que je devine ou que je découvre en même temps. Ah, mais je suis en train de devenir un fou sur ça, frère. Je l'ai bouffé le site. Faire les croquettes, gros. Si je vais pas sur internet regarder comment tu fais des croquettes, je sais même pas comment les. D'accord, ouais, non, mais je te cache pas, les recettes, je suis obligé d'aller voir sur internet, je les connais pas toutes par cœur. Ouais, c'est abusé, même souvent c'est les viewers qui me dépannent. Ils me disent ouais, oh, bah vas-y, t'as la croquette de ça, vas-y, c'est ça, ça, ça. Là j'y vais pour toi, tu vois, tranquille. En fait, ce qui est bien sur ton serveur, c'est qu'il y a pas mal de français, tu peux bien communiquer. Parce que moi, les Frédéricains, en plus, c'est des fils de pute. Ils ont besoin de quelque chose, ils t'en servent ton bateau, ça. Au fait, un truc, excuse-moi. François, si tu veux des kibbles de dodo, vas-y, hein. Passe à la maison, je t'en donne. Des kibbles, des œufs, des œufs. Des œufs, si tu veux, je t'en donne. Je t'en donne 100, si tu veux. Ça va me libérer une case. Dans le frigo, trop cool. Eh, quand tu lui donnes des petites merdes, en fait, il te sort plus de pétrole que de fertilisant, en fait. 46 non, de pétrole, il m'a sorti là. Je lui avais donné que de la petite merde à bouffer. J'ai jamais essayé avec des middle, il me donne en fait 64, ouais. Je t'avais dit c'est avec des 1,5, ben, il m'en donne un peu plus avec des 1,5, ouais, et des 0,30 là, mais laisse tomber, mec, c'est que du pétrole qui te file. Mais laisse tomber,
Ils donnent toujours du fertilisant, mais bon, ils donnent, ouais, plus, ouais. De, ils donnent plus de pétrole que. En fait, la carte, c'est un feuge allemand, quoi. Là, ça existe, ça, putain, merde, ça existe encore. Bon, je te jure, il s'appelle Joshua. Je pensais que. Ah ouais, et de là, tu te dis que. C'est un peu la connotation sexuelle, ouais, non, pas, ce prénom. Je sais pas, moi j'ai des Joshua en viewer. J'ai un Joshua en viewer. Il a pas l'air hostile. Il t'a pas tout dit. Ouais, il t'a pas tout dit. C'est allez, avoue-le, il a vraiment pas fermé la quenelle. Hein, ne me dis pas. Il est venu dans l'antre de la bête immonde. Il est venu ah ouais, les gars, là, vous savez pas, là, vous parlez. Il y a un vrai quenelle là dans la salle. Là. Attention. Plusieurs spectacles de Dieudo sont actifs, tout. Ah, c'est bon. Ah, je suis témoin. On l'a vu de près, la bête immonde. Putain. Là, quand même, c'était mieux il y a 2 ans que l'année dernière. Franchement. Enfin, que cette année. Ouais. Moi, j'ai plus kiffé l'année dernière, quoi, que cette année. Ah, les sketchs, ils étaient plus tordants l'année dernière. L'ambiance, tout, c'était mieux. L'histoire. Là, tu vois, la séance de dédicace, tout, c'était mieux. Les quenelles, tu vois, c'était avec le photographe et tout. Je vois encore la photo où on a fait à côté de son espèce de mascotte, hein, là, tu sais, avec sa grosse tête avec un œil au milieu. Ah ouais, je l'ai. Je l'ai toujours. Ah putain, roll back. C'est le plus gros problème de jeu. Il y en a qui me disent, ouais, moi j'attends que le jeu soit fini et tout, pour y rejouer et tout, t'sais. Je leur ai dit comme ça, clair, mais tu y rejoueras pas. Mais qu'est-ce que tu croyais que quand le jeu il va se terminer complet, machin, tu croyais que d'un coup, il y aura des graphismes 10 fois meilleurs, il n'y a plus de lag du tout, il y a tout qui fonctionne trop bien et tout. Mais réveille-toi, mon frère, le jeu il est à moitié fini déjà. Faut pas. Je veux bien, ils vont corriger des petits trucs, logiquement, tu vois, quand même, tu sais, pour une sortie officielle, machin, pour ça y est, là. Sortie définitive, on va dire. Je veux bien, ils vont corriger des petits. Ils vont essayer de le stabiliser quand même, le truc, tu vois. Mais faut pas. Attends, non, là. Rêve pas non plus, quoi. On va pas passer du tout au tout, quoi. Faut... Tu vois quoi, ils vont faire 20 000 correctifs dessus. Rien que pour toi. Rien que parce que toi tu veux plus y jouer, tu sais. Ok, tiens, encore assez de millions de connards qui s'accrochent comme ça pour. Tu vois, bon, j'en fais partie, hein. Mais... Tiens. C'est compris, les mecs, hein. Quand je dis ça, c'est pas au sens péjoratif, hein. Mais... Tu vois. Tu sais, c'est comme à l'époque Warface, hein. Les mecs, ils disaient, ouais, ils vont arrêter. Regarde le million qu'il y avait de joueurs. Si ça a été arrêté, c'est pour une décision judiciaire, hein. Ça n'a rien à voir avec. Avec une espèce de question de rentabilité, il était très rentable le jeu. Il avait beau être plein de bugs, il y avait trop de monde dessus. Ça payait. T'as pas testé les jeux gratos là, vite fait? Non, mais en fait, il faut que je les fasse et je te conseille un truc. Quand tu vois que tu te retrouves avec, tu sais, le jeu du mois qui est téléchargé sans que t'aies rien fait, c'est que c'est moi qui l'a téléchargé. Alors à ce moment-là, attends qu'ils se finissent, ouais, efface-le et re-télécharge-le avec ton gamertag pour que t'aies la licence vraiment à ton nom. Moi je vais le faire là. Ouais, j'ai même pas regardé, je l'ai téléchargé sans regarder. Non, mais tranquille, mec. Non, mais tranquille. Ouais, il faut que j'y pense à le faire. Il y a aussi Saints Row 4. Ouais. Quoi, ils l'ont donné celui-là? Ouais. Ah ouais, mais de 3 à 6, quoi. Ouais, c'est ça. Je vais y arriver. Je lutte pour ramasser la merde des dinos. Quoi. Ouais, je fais. Il y a la table de craft là. Fabricator en action là, Yoda. C'est toi, hein, on est d'accord. Bah ouais, si elle se met en route, c'est qu'il y a quelqu'un de. Non, mais je. Non, mais ouais, voilà, tu vois. Parce que j'ai vu Yoda s'est connecté, tu vois. C'est pour ça que je suis pas trop en panique, tu vois. C'est pour ça que je suis pas encore en PLS là, parce que sinon laisse tomber quoi. Sinon c'est inquiétant, le gazole est en train de brûler pour rien, frère.
C'est quoi que tu fabriques? C'est pas trop indiscret. Polymère. Tu veux faire le lit? Non, non, je vais faire le cooking pot avant. Hein, pardon? Cooking pot. Ah ouais? Ah, t'es en mesure de le faire? Non, il manque du métal. Non, mais t'as la capacité, t'as le... T'es... Tu sais le faire. Ton perso, il sait le faire. Moi, non. Ah, t'as le négocié encore? Ouais, ça, je peux voir avec tout le monde. Non, non, mais t'as raison. Même là, le légende... Même le légende, je lui dis viens la baraque, il va venir, il va me la faire. Ouais, ouais, mais lui, enferme-le par contre. Fais pas comme avec Pirouchka, frère. Je te le dis de suite. Enferme-le même à 8 ans s'il faut. Tu sais, mais. Joue pas au con. Non, mais je parle de, du mec d'hier, hein. Je te parle pas de, ce, de l'autre. Hein. De Furious, Furious, ce n'est autre que son frère. Hein. Ouais, je, bah ça, je sais. Ça joue la sécurité quand même, mon frère. Sans, je sais d'où t'arrives. Non, mais je sais d'où t'arrives, tu sais, t'es pas un bleu bit, tu vois, t'es pas un pleutre. Va pas te faire baiser quand même par cette bande. Non, mais quoi. Je demanderai à Survivor. Hein. Ouais, ouais, je pense que ça vaut mieux. Mais il sait pas le faire, Pirouchka? Si, mais il est pas cool. Ah, par contre, gros, une fois que t'as fait le cooking pot, gros, je te le dis, je vais me lâcher sur les petites créations comme ça, où il y a besoin de polymère, de machin et tout. Je vais aller en farmer du truc, tu vois. Ah oui, il te faut la blinde, c'est du ciment. Ouais, ouais, ciment et... Ouais, ouais. Mais ça, il va falloir que tu montres hein, comment bien procéder dans les marais. Hein, parce que, les gars, nous, on est un spécialiste des marais. Eh, salut, JB. J'avais pas vu que tu étais arrivé, en fait. Bonjour, le spécialiste des marais. Lui, c'est un spécialiste, frère. Cherche pas, quoi. Il part dans les marais avec sa grenouille et il revient, il y a trop de cheating. Tu rauf. Tu crois qu'il est allé l'acheter vidéo, ouais, ça fait flip. Hmm. Pardon? J'ai vu une petite vidéo la dernière fois avec la grenouille, là, j'ai halluciné, gros. C'est quoi ce délire? Ah ouais, mais faut pas faire le con, tu sais, c'est comme tout en fait, tu vois, toutes les bêtes là, elles sont trop bien en fait. Mais si tu fais le con, tu t'y prends mal ou quoi, il y a trop moyen de la plier, même une. Tu vois, une grosse bête à high level, tu vois. Regarde par exemple là, on a une T-Rex 180 là. Pardon, tu vas sur mon stream, tu peux l'avoir en direct. Avec elle, j'ai fait un saut de la moitié de la montagne que tu vois juste en haut. Gros, à l'atterrissage, elle a fini middle de life, tu vois. Si je tombe sur un alpha juste derrière, c'est bon, il me bute. Il y en a assez, quoi. Vu que je viens de me mettre middle tout seul, tu vois. Ou si je viens de me taper avec un alpha et que je me tape le même saut, bah, à l'atterrissage, c'est du steak haché, le truc. Et pourtant, t'es avec une taille de bête costaud, de ouf et tout. Enfin, tu vois. Ouais. Ça veut rien dire, tu vois. Ouais, regarde vous là, c'est votre spino là, il est tombé de quoi, une chute de 6 mètres. 6 mètres, ouais. Ouais, il mètres, a commencé ouais. À trembler de la patte. Il est mort le truc. Horrible. Ah ouais. Le mot horrible. Ah ouais, mais dur quoi, tu sais. Gore quoi, Gorbix. Ah ouais, tu me l'as fait en métal l'échelle, nickel. GG. Ah ouais, hein? Fais-moi, tiens, c'est ça que je voulais voir. La peinture? Non. 1, 2, 3, les coffres? 4 pots. 4 pots de plantes. Les petits, les grands, les... Les grands, les grands. Le gros, l'autre, au cas où, il est encore dans sa base en train de comprendre ce qui s'est passé. Non, c'est ça, François? Non, le mec à qui j'ai dépouillé sa base. Ah! Il a marqué que c'est obligé, c'est un glitch ou quoi, parce qu'il comprend pas. Il a pas vu qu'il a laissé ses coffres déverrouillés, c'était un imbécile. Ah, deux secondes. Mais les cons. Je dépanne les œufs de dodo à François. Eh, François, je sais pas, t'as qu'à faire gueuler le T-Rex devant la porte quand t'arrives. Parce que je te la donne les œufs de dodo, moi je m'en bats les couilles. Hein. Ouais, la déco a bien avancé, ouais bah, c'est clair, ouais. J'ai fait le peintre farmer cet après-midi, j'ai rempli tous les coffres, sa mère, juste la viande, il y a que la viande que je me suis pas occupé. Mais sinon tous les coffres entiers, je les ai tous remplis, j'ai peint tout ce que j'ai pu jusqu'à que j'en puisse plus, jusqu'à que j'en ai envie de gerber quoi. Je chie de l'or, tu vois maintenant. Mais franchement Yoda, regarde, c'est horrible, c'est horrible. Même les viewers, tu vois, j'ai honte et tout vis-à-vis de... Regarde, c'est quoi?
On a une base en or, noir et gold, sa mère. Il manque plus qu'un voiturier à l'entrée. On a un Limsk, tu vois. Ça fait penser les trucs de la rue et tout, genre. Ouais, il sent fort le lit et tout, tu vois. Enfin, frère. Et puis tous ces mecs inconscients qui sont pas lavés depuis des semaines, là. Putain. Ah, le lit pourrait déjà être fait, hein, je te le dis, hein, mais vu le loup de merde qui nous a ramené, je vais pas avec ça là-haut. Ah, mais ouais, mais regarde, je peux même pas le repeindre, cette merde là, putain. Vas-y, François, arrive là, je te donne les œufs là. Tu veux du fertilisant en fait, François? Profite là, c'est en mode Jardiland là aujourd'hui. Là. Profite, il y a des promos. Promo sur le fertilisant, c'est gratos. Si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse la différence par double. Non, marre. Hein. Bon, vas-y, hey, j'ai du pétrole. What the fuck? Ouais. J'ai 97 dodo sur moi, tu sais, ça passe pas en fait. Là, je sais même plus le cooking pot, tu m'avais dit c'était combien. Je te mets du pétrole là-dedans là? Ça t'arrange ou quoi? Non. Vas-y, je vais faire de l'essence alors. Il y en a déjà trop en fait. Non, je vais le mettre dans les placards. Clac. Putain, mais ça fait un boucan, on se croirait en vrai et tout, tu sais. Hey, eh, au fait, tu sais, vendredi soir là. Tu sais, à l'usine et tout. Ah, putain, la meuf. Avec les casques là, avec les boules, tu sais, les boules jaunes dans les oreilles. Ils entendent rien, les gars, ils sont obligés de gueuler. Laisse tomber, c'est plus une vie quoi. Ah, ça y est, il est là, il a sonné à la porte. ça veut dire vraiment un T-Rex. Ok, on arrive, François, deux secondes. Enfin, j'arrive en fait. Recule ton T-Rex, sinon je vais en faire qu'un dans quatre avec le mur. Ça, le bâtard, c'est toi qui l'a donné hier. T'es vraiment une pute. Eh, t'as vu, François, t'as vu comment c'est une pute? Quoi? T'as vu un peu? Ouais. Non, déjà, moi j'ai donné un T-Rex boiteux. Toi, t'étais prêt à lui faire tamer un truc level 8. Ouais, mais au moins, tu vois, moi j'aime l'idée voilà, que... Regarde, non, écoute, sérieux, je parle sérieux. Regarde, il y a un proverbe chinois qui dit « Donne du poisson à un homme, tu le nourris pour un jour. Apprends-lui à pêcher et tu le nourris pour toujours. » Tu vois, je préfère le nourrir pour toujours que de le nourrir pour un jour. Tu comprends? Moi, dans l'idée, c'est ça, en fait. Après, voilà. Parce que si tu lui fais time à un niveau 12, il time après un niveau 368. Du moment qu'on lui met sur la tu comprends ce que je veux dire? C'est ça, tu vois, si t'as time un niveau 2, t'as time... c'est bon, tu peux time un niveau 100. Mais il en a ta main. Mais si t'es déjà pas sûr pour un bas level, comment tu vas aller tamer un gros level, tu vois? Mais il en a ta main technicité. Non, mais je t'explique, l'autre qu'il avait... Mais non, celui qui lui a noyé, celui qui a voulu faire coin-coin. Mais non, t'as pas compris. Celui-là, c'est moi qui lui a tame. J'étais en PLS, gros. J'étais en mode, tu sais, avec l'avant-bras sur mes yeux. J'étais là. Putain, merde, je m'endors. Eh, la torpeur. Ah, ouais. Ah, putain, ça y est, il a assez faim. Je peux lui mettre les kibbles. J'en pouvais plus. Un niveau 8, j'ai cru crever. Ça me battait au cœur et tout. T'es sérieux, quoi? Ah, ouais, même ça, sur le T-Rex, j'ai regardé. Mon donnait-lui plus de vie, hein. Non, je lui donne plus de vie. C'était les derniers points de vie que je lui ai donné pour qu'il atteigne 10 000 en fait. Comme ça, c'est un cap psychologique, tu vois. Comme ça, tu te sens, tu vois, tranquille. 10 000 points de vie, tu sais, faut en vouloir, tu sais, faut attendre un quart d'heure à se laisser faire, tu vois. Faut vraiment être un as-broc pour le crever, le truc, tu vois. Là, ça y est, tout le reste maintenant, faut le mettre dans la frappe. Tu aurais pu ouvrir le portail à François quand même, mon frère. Ouais, putain, je te jure.
suis désolé François. Il est pas parti depuis. Mais non, il est pas comme toi, lui. Il a la patience, il est pas impulsif. Non mais toi, je parle de toi. Moi, je suis pas parti. Pourquoi je devrais partir? Tout à l'heure, tu fais le tour de la maison, mais c'est toi, tu l'as oublié. Hein. Vas-y, rentre. Mais non, mais rentre ton T-Rex, gros. Il va falloir que tu les charges, les œufs. Ça va être trop lourd. Rentre le T-Rex. Ah, mais il est de chez toi, lui. C'est un cadavre de chez toi. C'est quoi, ce type? Mais qu'est-ce qu'ils racontent les jeunes? Eh mais l'autre fois je suis allé dans le groupe des jeunes, ils m'ont dit ouais ils m'ont tué mon crocodile et tout, mon requin et tout. Ah bon, son requin il est mort, je sais pas, il est là le requin. Ouais bah ouais, non mais n'importe quoi. Mais en plus je te dis honnêtement, je vais pas te mentir Yoda. Je te dis honnêtement, en toute franchise, ça y est je t'ai looté les œufs. Hein. Je sais pas où ils sont mec. Hein. Je viens de te looter 25 œufs de dodo là. Je les ai vus disparaître en fait. Pas cool. Ouais, je les ai plus. Hein. Ah ouais, gore. Tu les as pas non plus? Non, mais cherche pas, ça pue. Ah non, mais c'est un tout petit truc. C'est des œufs de dodo. Putain, ils ont disparu, ZB. Putain, c'est Patrick. Vas-y, ramène-le là, ton T-Rex. Là. Ramène-le là, mets-lui la gueule dans le... Mais tu vas faire une nouvelle série, Yoda, ou quoi? Tu vas refaire toute la série. Quelle série? Je sais pas, tu m'as demandé des pots. Ah non, pour les Plantix. Ouais. Allez, lâche-moi, putain. Mais... C'est comme s'il était collé. Lâche-moi. Putain, franchement, j'en reviens pas, quand même. Franchement, le sale plan, quoi. Dégoûté hein. Vas-y viens rentre avec ton cousin là, je vous les donne les œufs là, comme ça me fait moins transporter, ça va plus vite. Bon, on dure pas 2 heures pour quelques œufs. Putain, je suis vert à l'arnaque frère. Monte l'échelle, Patrick. François. Ma merde, j'ai oublié d'éteindre la mèche. Tiens. Tenez, plutôt. Tu pourras pas ramasser les deux, tu pourras plus bouger. Faut que ton cousin il en ramasse. Ok, venez, j'en ai encore 18, je voulais loot devant le T-Rex. Ou quoi? Putain, je te l'ai même pas éteint la machine. Je vais le faire. Vas-y. Oh, y a plus qu'à espérer que ça parte pas en couille cette fois-ci. Hein. Là, c'est encore 18, ça fait chier quand même. Ouais, mais vas-y, mais tu vois, c'est ça, tu sais. Mais c'est trop bidon en fait.
T'as vu ça, putain, 18 plus 25. Allez, ça fait 43 œufs là, pour rien du tout, t'sais. Mais tu sais quoi, regarde, attends. J'ai une idée. Vas-y, vas-y, venez, venez. Je vais vous ouvrir la... Wow, 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 wow. Ah putain. Vas-y, tu sais quoi? Juste laissez-moi les autres dilo là et servez-vous. Putain, t'as eu le boucan que ça fait là, ce truc industriel là. Vas-y, tapez dans les autres dodo. Je vais éteindre cette machine de mort là-dessus. Oh, il y a un petit raptor alpha près de moi. Le coquin. Arrête, c'est une malédiction ce truc. Je crois que je vais plus jamais toucher mes corps. De quoi? Mais laisse tomber, il y a un corps, il est en train de faire du boogie boogie devant moi. C'est horrible, c'est dégueulasse. J'arrive même plus à le lâcher et tout. Putain. C'est horrible, là je vois un espèce d'amas de chair de. C'est dégueulasse, ça me donne envie de gerber tout. C'est bon là les œufs les mecs, ouais, vous avez vu, regardez tous ces cadavres, c'est n'importe quoi. Faut vraiment qu'on se trouve une pièce spéciale déco quoi. Enfin je veux dire déconnexion. Bon bah les mecs, posez ce que vous avez sur vous là, vite. Eh non, on n'est pas de la même tribe. Non mais regarde. Bon. Mais non. Mais s'il te plaît quoi. Mais non. Attends, fais voir. Attends, juste pour le délire. Bouge pas gros, bouge pas. Et le pire là, je la récupère, non? Ah non, même pas. Regarde, y'a dans cette plaque. Comment c'est dégueulasse, putain. Lance tribal à travers la bouche. Ah putain de merde. Ouais salut super. Ça va ou quoi? Pourquoi il y a toujours des cadavres chez toi? On dirait la morgue. Mais non, ils sont inconscients, c'est pas des cadavres. C'est des cadavres, c'est des inconscients, c'est... C'est les membres de la tribe qui sont déconnectés en fait. C'est pour ça que je les regroupe en fait, parce que je trouve ça gênant un peu.
Il a toujours sa lance à travers la gueule, hein. Non, quand même. Ça y est. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Tu me dis s'il te plaît, qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît quoi? Vas-y. Ah, ça me bloque. Ah, ok. Ah, cool, ouais. Merci en fait, parce que putain, c'est galère. Et là, on dirait quoi alors? Là, on dirait la boucherie. Super. Oui, ça va et toi? Tu lui as mis une corne de licorne. Je l'ai transformé en licorne, ton cousin. Eh, hey, attends, hey, tiens, je vais donner un truc à ton cousin. Eh, vous êtes où les gars? Tenez là. Bah tiens, c'est plutôt pour toi en fait. Il est un peu pâle ton personnage. Ah ouais, partagez-vous ça aussi là. Je sais même plus où les mettre en fait. Ça va être bon pour vos plantiques ça. Voilà, c'est fini les mecs hein. Désolé hein. Là pour le coup j'aurais pas plus à vous offrir. Ah de rien. Bah après tu lui montreras François pour comment on applique la peinture et tout. Je compte sur toi. J'ai encore des œufs à poser là. C'est bon, vous êtes tous sortis. Okay. Rep et merci. Rep, ouais. J'ai pas compris le rep, mais ouais. Je veux bien te rap, moi, ouais. C'est quoi la question?
grosse flaque de pétrole en fait. Pardon. Eh hey, mais Gun Boss. Ouais. Gros, vas-y. S'il te plaît, là si t'as le PC ou le téléphone ou peu importe. Le moyen le plus rapide ou quoi ouais. De vérifier ça. Va voir sur ma chaîne là. Et tu regardes. Ouais. Tu regardes, il y a un temps fort. C'est on repousse un T-Rex alpha. Va voir le bousin. Tu vas voir comment il est surdimensionné. Ouais. Ah, tu vois, on est moi et Yoda avec deux T-Rex 200. Lui, il est niveau 52, il nous fait trop galérer, mec. On a les Plantix qui nous soutiennent et tout. Et encore, à des moments, presque on doute est-ce qu'on va pas y rester. Quoi. Le truc, il m'a bouffé le mur et tout. Quoi. Mur de briques, ouais, le bouffe. Problème, quoi. Genre là, Houston, on a un problème, quoi. Clairement. Ah ouais, mais je te jure, je me baladais pépère avec le loup. Je me la jouais, je m'embadais dans les bois et tout, tu vois. D'un coup, j'entends Yoda. Mais ça va, j'arrivais près de la porte, tu vois. J'entends Yoda. Eh, mais wesh, vas-y, c'est un T-Rex alpha qui attaque notre base, là. Vas-y, faut que tu viennes de suite. Ça va, j'étais juste devant. Je rentre à toute vitesse. Je le vois, le truc, je te jure, tu sais. Même moi je rauf en fait. Putain, mais qu'est-ce qu'il a et tout, mais qu'est-ce que c'est que ce truc et tout. Il y en a une fois un niveau 44, il m'a violé un niveau 89, gros, contre un mur là. Je te jure, il l'a plaqué en brutal contre un mur. Et je pouvais plus me tourner, rien. Et je disais, Yoda, je meurs. Yoda, je peux rien faire. Mais putain, t'es où? T'es où marais, Ouais, ouais, je crois que je suis au marais, il y a de l'eau, en tout cas, je sais pas, je meurs. Et mettez des coups de croc au cul, et ouais, je voyais la... Ah merde, ouais, désolé les gars. Et je voyais la vie qui baissait. Un petit singe pour moi. Hein? Donc plus que 300 un petit singe, vas-y, attends, je vais t'en filer un. Je sais pas quel niveau il est ce putain. Mais de Raptor Alpha. Sinon, tu sais qu'avec. Attends. Excuse-moi. Tu sais qu'avec les kibbles de dodo, même un high level, tu le times en 3 minutes. Hein. Si tu te manques pas, tu sais, quand il te propose là, avec le bouton jaune d'en donner une là. Je veux dire, c'est pas très très difficile. C'est sûr qu'après l'approche avec le T-Rex, ça va être dur pour time le macaque, quoi. Faudra y aller en douce, quoi. Mais en toute logique, y a moyen, mec. Hein. Tu te mets accroupi derrière, là. Tu le mets, tu vois, sérieux. Au bout de ton inventaire. Tout à droite, là, dans ton raccourci d'inventaire, là. Tu te mets les kibbles de dodo, là. Ça va tout seul, frère. L'autre fois, Sharks, il a time un niveau 90 ou un truc comme ça, il l'a tellement même pas 3 minutes. Même pas. C'est-à-dire, autant dire un bas level, c'est 1 minute 30 quoi. Même pour toi, si t'as pas la carte, tu vois, autant que tu te le fasses, tu vois. Je sais pas ce que t'en dis, hein, mais. Moi, après, je m'en fous, hein. Je te dis honnêtement, si vraiment tu veux, je t'en donne un hein, tout de suite, hein. Est-ce que y a pas plus de fierté de se le faire soi-même, quoi. Ouais, c'est clair. Débloquer la carte dans le dino dossier et tout. Bon, mais ouais. Mon petit Carnot, il est mort. Moi, je te dis comme tu veux, toi, en fait. Quoi, t'avais time un Carnot à la viande et tout? Ouais, non, j'en ai time 2, mais là je me suis retrouvé nez à nez avec un Raptor Alpha. Aïe, ouais, là c'est un peu dur. J'ai réussi à l'enculer, mais il m'a bien blessé. D'un coup, il y en a un deuxième qui est sorti, gros. Ouais, là ça fait trop. Si t'as pas un putain de T-Rex ou quoi.
Ah ouais, bon, il était niveau 50, tu vois, bien, j'avais bien augmenté le truc d'attaque là, mais ça n'a pas suffi. Ah bah non, bah si le tir, Ouais, si j'arrive le pas à Raptor rentrer dans Alpha, l'inventaire. si le Raptor Alpha il était plus balèze, c'est mort. Ben, le premier, je l'ai eu, mais c'est le deuxième qui m'a niqué ce bâtard. Bah François, c'est plutôt comme tu veux toi. Après je te cache pas, si je t'en donne un, je vais te donner le plus bas level. On en a deux niveau 100. Je sais qu'il y en a un, il est niveau 17, il est trop beau par contre. Il est tout gris là, avec des petites rayures blanches là. Je voudrais un petit noir moi. Ça irait bien avec mon armure. Bon alors François. Putain François, je te jure, je vais être un homme heureux quand tu vas avoir ton micro. Putain. Le fait d'avoir tué les deux Raptors Alpha, ça m'a fait monter 3 niveaux d'un coup. Ah ouais, non mais ça fait passer Énormément de grave de level level de tuer des des alphas. alphas. S'ils sont plus haut level que toi. Bon, je l'ai dû le finir à la lance, ce bâtard, mais j'ai quand même réussi à l'avoir. Une très bonne chose, franchement. Ça stagne des Raptors Alpha comme ça? Non, non. Pas les alphas. Si sur PC en partie modée, tu peux tame des alphas, ouais. Ouais, voilà. Tu tames un T-Rex alpha, c'est comme si t'avais un Giganto en fait. C'est pareil. Y a pas de stamina en fait. Tu vois l'énergie là, le petit Z là, le petit électrique là, y a pas. Ah Ça ouais. existe N'est pas en fait. pas. Ah Tu peux ouais, c'est sprinter toute sexy. la map pendant 8 heures. Y a pas de problème. C'est overcheaté, c'est trop bidon quoi. Je me vois même pas jouer comme ça en fait. Le jeu c'est bon, Ouais, c'est 3 du jours après n'importe j'ai plus envie quoi. de jouer quoi. Exact. Hein. Même GTA en C'est étant même milliardaire, j'ai trouvé le moyen d'y jouer encore, tu vois. Mais c'est normal. plus. Tu vois, une fois que t'as le cash, après il faut acheter les trucs et tout. T'sais. Rien que le temps de tout acheter, je te jure, Ouais. tu mets plusieurs mois. Pour tout acheter, tout tester et tout. Mais là, c'est pas pareil. Dès que t'as fait un tour avec un animal, puis ils vont pas tous te plaire, tu vois. Il y a des animaux, ils vont pas te. Tu vois. Regarde, par exemple, toi t'aimes pas trop le T-Rex, moi j'aime bien, tu vois. Exactement. Moi je préfère un T-Rex qu'un giga, je te jure. Je préfère par exemple avoir un T-Rex de 10e génération qu'un giga. Complètement. C'est 10 fois plus maniable et tout. Et c'est autant rata, y a pas de problème. 10e génération, frère. Si tu prends un Giganto de 10e génération, ben c'est Ouais, bon. ben, le temps que t'as un giganote de 10e génération, c'est bon, on est sur Arc 28. Fais un T-Rex de 10e génération. Ouais, Parce que ben ouais. Déjà, le moins de temps déjà, on sera et à le Noël. résultat, il sera 10 On sera fois au moins moins à bon. Noël. Facile. Mais Et alors, quitte à faire un à truc Noël, genre un giga. je lui mets un chapeau de Père Noël, gros. Je fais le tour de Non, la map, non. j'encule tout le monde. Non, non, si tu fais ça en équipe, franchement, ça peut aller très vite, hein. Ouais, Fais ça en oui. équipe, je te jure, ça Ah, peut aller oui, vraiment très vite. équipe Hein. de dingue, ouais. Si. Ouais, Bah, c'est bon carrément. quand Après, il faut même. avoir les structures, bien sûr. Parlons. Non, mais c'est. Ouais, carrément. Là, je te parle en C'est des PvE, ouais. attaques plus Non, intelligentes non, que les PVE, je attaques des pense humains. que t'es tranquille, tu vois. Tu fais ça Bah à l'aise. oui. 10, 5, franchement. Si tu te relais à 5, t'as pas besoin d'être 5. 3, 3, c'est bon. Si les gars, ils sont Il sûrs, c'est faut bon, quoi. surtout les mecs qui restent ref pendant je sais Voilà, pas combien de temps sur les. ouais. Bye Bah ou 9 mecs. après nous Qui tu n'ont vois pas là les ça mêmes va, les travails mecs puis qui n'ont pas PV, les moi mêmes je te dis horaires. ça on a. Non mais même nous on a fait sans PVP tu vois. Genre déjà Bon. Ah pense les mecs bah qui n'ont ouais, pas les fait attaques ça des ou humains et tout. t'as voilà là c'est une Ouais, autre mais dimension tu vois. c'est pas pareil, ouais, carrément. Là, je te parle en C'est des PvE, ouais. attaques plus Non intelligentes non que les PVE je attaques pense des humains. t'es tranquille tu vois, tu fais ça à Bah l'aise. oui. 10, 5, franchement, si tu te relais à 5, t'as pas besoin d'être 5. 3, 3, c'est bon. Si les gars, ils sont Il sûrs, c'est faut bon, quoi. surtout les mecs qui restent ref pendant je sais Voilà, pas combien de temps sur les T-Rex ça tourne ouais. tourner la map. Il faudrait que notre meilleur T-Rex y passe 200 et après on fait net l'autre 214, le double 214 là.
Il va sortir à tous les coups, il va sortir un truc de dingue. Ça va être une machine de guerre. On le fait s'accoupler avec la 200. Pourvu que ce soit un mâle. Et là, je te garantis, on va te sortir une machine, gros. Ou alors on fait s'accoupler.